David Abbassi, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassi est l'inventeur de l'expression « islam politique » et « islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio télévisées en 4 langues. David Abbassi a reçu sur l'antenne d'ici et maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur france-6opinion.info. France-6opinion.info. Voilà, maintenant, après une longue absence, c'est un grand plaisir. Pour moi aussi, docteur, tellement ravi de vous avoir avec nous. C'est vrai, à l'époque, on était, je crois, que Tour de Seine. Maintenant, nous sommes un peu plus proches, je crois, de chez vous, Avenue Foch. J'en vais être ravi de vous avoir dans le studio. Mais je vous remercie de me donner ce plaisir de vous avoir par téléphone ce soir. Alors, docteur, il y a énormément de choses qui se passent dans le monde. Je voulais parler avec vous, et on va parler avec vous concernant les manifestations en Liban, l'Irak et partout. Mais avant tout, si vous permettez, on va donner jeter un coup d'œil, voilà, sur les manifestations d'hier à Paris, qui a fait beaucoup de polémiques. Et je voulais savoir, docteur Abou Diab, que pense concernant les manifestations des musulmans hier à Paris? Écoutez, pour moi, la question de l'islam en France et de son intégration et de l'avenir de la coexistence nationale ou de la laïcité en France, c'est une question qui m'a préoccupé depuis la fin des années 80. Et personnellement, toujours, j'ai reproché à l'État français de ne pas être un acteur entier à ces propos et à laisser beaucoup de place aux acteurs étrangers et à ne pas donner toute l'attention au développement de musulmans de France qui ont été depuis un certain moment la deuxième religion de ces pays. De l'autre côté, j'ai toujours reproché aux élites musulmanes d'être absentes de ces débats et de ne pas tenter de jouer leur francité comme il faut, au moment venu, de montrer l'allégeance nationale et de donner la preuve qu'ils sont des gens intégrés et qu'ils donnent la priorité à cette loyauté nationale. Avec le temps, maintenant cette question avec la montée de tous les fanatismes, de tous les nationalismes, de ces clashs de cultures. Elle prend cette question maintenant une grande dimension. Mais, pour que je sois tout à fait précis, je mets en garde en France, toujours, devant mes étudiants, j'ai répété ça à plusieurs reprises. Je réitère ça sur votre antenne. Il ne faut pas que l'islam soit utilisé comme une arme politique en France. C'est une arme à double tranchant. Il y a les gens racistes et islamophobes qui veulent utiliser l'islam pour renforcer leur place dans la classe politique ou lors des élections. Et il y a de l'autre côté aussi des gens qui défendent n'importe quoi l'islam pour aussi avoir des voix des musulmans ou des gens d'origine musulmane ou de confession musulmane afin de gagner plus de place dans les représentations politiques. Il faut cesser ça et faire une discussion saine autour de l'intégration et autour du problème de l'islam de France et comment ne pas permettre aux organisations
islamistes et aux gens qui veulent récupérer les musulmans, comme comment il faut interdire les racistes et les islamophobes de prendre le dessus. Donc, ça, je pense, la logique manif contre manif et défi contre défi ne règle pas les choses. Je pense que certains soutiens n'est pas innocent, comme toute animosité gratuite n'est pas la bienvenue. Je plaide donc pour un dialogue et pour donner toute la place aux sages de tous les côtés. Excellent, docteur Abou Diab. Alors, concernant l'islam, surtout la politisation de l'islam, le danger qui existe déjà depuis des siècles et récemment dans tous les pays musulmans, mais en Occident, quel est votre avis? Que pensez-vous d'un islam qui soit présent dans la société, qui n'a pas encore été modernisé, docteur Abou Diab? Ça, le retard qui a été fait est énorme. Pour cela, je parlais de la fin des années 80, mais il y a des gens qui crient depuis la fin des années 70. Il y avait plusieurs éminents professeurs censés, les recrutés Bruno Etienne, Olivier Carré et d'autres. Il y avait Ali Merad, il y avait de Mohamed Arkoun. Et tous ces gens plaidaient, par exemple, pour une académie spécialiste dans l'Alsace-Lorraine, selon le système Concordat, pour qu'on donne à la société française ses imams français, musulmans et ses cadres. Malheureusement, on a laissé cette mission aux autres, et maintenant, on a les mauvais résultats, et il y avait l'importation des imams, ce qui a compliqué les choses. Et on ne peut pas imposer la naissance d'un islam français ou d'un islam de France. Mais on peut exiger des musulmans de France cette loyauté nationale et en même temps qu'ils laissent tomber toute idée de la priorité ou de la primauté des droits musulmans ou toute allusion à cette umma, car là, ça devient grave. Il y a certains qui ont fait l'IFTA ou la fatwa ou la jurisprudence pour que les musulmans comme minorité vivent dans un État non musulman. Tout ça, c'est, à mon avis, il n'a pas sa place. On a une laïcité naître, elle peut être plus positive et elle donne toute sa place à la liberté de culte, mais à condition que cette liberté respecte l'ordre général et respecte aussi la liberté des autres. Et cette liberté, qu'elle ne soit pas le moyen pour un jour exploiter la démocratie pour d'autres fins. Donc, il faut une sorte d'un code de conduite. Il y a des gens qui me disent, mais il n'y avait pas ça avec les autres religions. Non, je regrette. Même pour l'intégration des Juifs, il aurait fallu l'effort de Napoléon. Et pour l'histoire des protestants, on savait les longues tragédies et l'édit de Nantes. Et donc, ce n'était pas facile. Pour l'islam, ce n'est pas facile non plus, mais ce n'est pas tragique non plus. Donc, c'est possible de faire mieux et c'est possible que maintenant on a plusieurs imams, disons, francisés, et de francisés dans leur pensée, qui pensent comment placer l'islam dans la société française, et je pense avec le temps, on aura plus de connaissances. Il y a un problème d'ignorance dans cette affaire, car enfin, ce qu'il disait Chirac, à un moment donné, à la place des clashs de civilisation, il faut que les gens... il ne faut pas l'ignorance mutuelle, mais il faut la reconnaissance mutuelle. Il faut la connaissance. Et là, je vois par exemple des initiatives entre les hommes de bonne foi, des rabbins, des prêtres, des imams, des cheikhs. Donc, il y a des progrès.
par rapport à l'autre époque, il y a une prise de conscience après la montée du terrorisme et la montée des surenchères des côtés et des autres, mais il faut transformer ça en actes plus précis. Merci, docteur. Je suis ravi de recevoir ce soir docteur Abou Diab, professeur à l'université, un grand spécialiste et consultant que vous le voyez de temps en temps partout. Il parle plusieurs langues et grâce à ça, et grâce à ce savoir qu'il a et ses études, c'est un des meilleurs, on peut dire, spécialistes du monde politique et comme vous pouvez constater, ces analyses aussi, ces analyses laïques, rationnelles. Alors, docteur Abou Diab, à votre avis, le problème qui existe actuellement dans le monde, qui vient de la part de l'islam politique, ce problème, ça vient plutôt de la part des individus musulmans ou de la part d'idéologie l'islam politique, mon cher ami? Écoutez, toujours depuis les débuts des religions monothéistes, il y avait toujours des débats et il y avait des périodes dures. Le christianisme au Moyen-Âge a connu ce qu'il a connu et pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a vu l'horreur avec les génocides contre les juifs et contre l'humanité en fin de compte. Et là aussi, on voit bien la crise. C'est-à-dire, cette crise, cet islamisme, ce n'est que la crise. La crise politique, la crise sociale, la crise de pensée, c'est un symptôme d'une maladie. Et je pense, oui, c'est l'œuvre avant tout d'une idéologie, d'une tentative d'une lecture littérale de l'islam qui fait de l'islam ce qu'on appelait en arabe « din wa daula wa dunya », c'est-à-dire la théorie de 3D selon le professeur Mohamed Harkoun. Lorsqu'on interprète l'islam comme religion et état, et tout ce qui est temporel à la fois, on fait de l'islam un totalitarisme, on interprète tout à travers le prisme de l'islam, et on permet toutes les dérives à travers ce prisme. Et le terrorisme passe par là, les frères musulmans passent par là, beaucoup d'organisations qui veulent imposer la charia passent par là, et beaucoup d'organisations qui plaide la rupture avec les autres, la non-reconnaissance de l'autre, passe par là. Pour cela, c'est un combat avant tout, un combat de pensée, un combat, une bataille idéologique contre ces groupes. Et c'est vrai, on a maintenant des gens éclairés, on a des penseurs, de nouveaux penseurs, mais il faut encore du temps pour qu'il s'impose. Et après tant de mal, je pense, il y aura des progrès. Il faut, à ce propos, compter sur les nouvelles générations, les nouvelles idées. Mais il faut être juste dans le jugement pour dire que cet islam devrait dépasser la période de crise comme l'a fait le christianisme à travers la séparation de l'église et l'état. Il faut séparer la mosquée et l'état. Il faut faire de la citoyenneté l'œuvre générale la plus importante dans les sociétés musulmanes. Il faut inventer un modèle de modernité capable d'être adapté au siècle. Ce n'est pas un effort si petit. Jusqu'à maintenant, les islamistes de tous bords, qu'ils soient sunnites, qu'ils soient chiites, ou autres, ont échoué. Et donc, il faut laisser la place maintenant à mettre la religion à côté et laisser ces sociétés trouver sa voie de modernité et de progrès sans obstacle.
Alors, docteur Aboudiab, trois questions. Première, est-ce que vous pensez seulement c'est les crises sociales ramènent cet islam terroriste que nous le constatons dans le monde entier, ou il y en a des projets derrière cette pensée? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des business plans organisés, programmés, d'un côté profit financier et de l'autre côté l'avancée de l'islam, comme il dit que dans l'islam, à l'islam ya'alu ala ya'alu ala ya'ala ala ya'ala ala, c'est-à-dire c'est l'avancée de l'islam comme ça a été commencé il y a déjà 14 siècles en péninsule d'Arabie. Après, il a conquéri d'autres civilisations, qu'ils soient phéniciennes, perses, pharaonais en Égypte, babyliennes, assyriennes et tout ça. Est-ce que seulement c'est les crises des sociétés ramènent cette politisation de l'islam, ou il y en a un projet, il y en a des projets, surtout avec ce qu'actuellement nous constatons en Turquie, depuis des années en Iran, même en Arabie Saoudite. Et à votre avis, est-ce qu'il y a aussi un projet pour l'avancée de l'islam dans le monde? Et de l'autre côté, histoire de pétrodollar, docteur Aboudia? Il y a tout ça en même temps, mais avant tout, revenons au début que dans ces religions monothéistes, le judaïsme, car il n'y a pas un effort énorme de conversion. Chez le christianisme, il y a toujours cet effort de conversion. C'est le moins fort chez les catholiques et le plus fort chez les protestants, les évangélistes et les autres maintenant. Et chez les musulmans, c'est la même chose. Mais ce qui est vrai aussi, que l'islam, le fait qu'il est devenu, qu'il a été la dernière religion monothéiste, et pour cela, il y avait un problème de reconnaissance mutuelle. L'islam qui reconnaît Moïse et Jésus comme prophètes, il y a toujours cette frustration que les autres ne reconnaissent pas les prophètes de l'islam comme prophètes. Et pour cela, il y a cette chasse aux hommes à travers l'effort de la conversion et l'effort de l'expansion. Et maintenant, c'est vrai, l'expansion démographique en tant que telle, mais aussi, c'est vrai que l'islam, à ses débuts, il y avait les conquêtes. Mais avec le temps, il y avait le commerce, la culture, il y avait d'autres choses pour faire cette expansion énorme. Aujourd'hui, on a des statistiques d'1,6 milliard de musulmans, bien sûr, après les catholiques, après les bouddhistes et les autres. Mais le problème, ce n'est pas le nombre, simplement. Le problème, c'est vrai que l'évolution du christianisme et la naissance de cette civilisation à partir du christianisme, lorsqu'il y avait cette séparation de l'Église et de l'État, donner à Dieu ce qui est à Dieu, donner à César ce qui est à César, l'islam jusqu'à maintenant, le fait qu'il n'a pas eu sa révolution, il n'a pas eu sa transformation, il n'a pas eu ses réformes. Et pour cela, on essaye maintenant de dériver l'islam pour des projets, comme j'ai dit, de mauvaises lectures littérales de l'islam, car on peut faire d'autres lectures plus modérées quand même, malgré tout. Mais on a aussi maintenant cette exploitation politique. C'est vrai, il y avait à un moment donné le pétrodollar qui jouait un rôle dans ce développement, surtout social, dans ce développement d'un islam simplement pour que les gens deviennent musulmans. Mais avec le temps, le projet de faire musulmans, avec maintenant la présence d'Erdogan à la tête de l'État turc, prend d'autres ampleurs. Et il a failli, à travers le soutien d'Obama à un moment donné, prendre plus d'ampleur. Et il y a toujours le projet iranien qui tente, à travers la révolution, à travers l'exportation d'un certain idéal donné, d'unifier tous les musulmans un jour sous cette barrière et d'imposer aussi donc son point de vue. Donc, on a un problème de,
de ce qu'on peut appeler internationalisme. S'il y avait un internationalisme sunnite à travers les frères musulmans, on a l'autre international à travers l'international de Vilayat al-Faqih, à travers cet effort d'actuel régime iranien. Et donc, il y a de surenchères qui a été envenimée après la guerre d'Irak et le retour du conflit sunnite-chiite, mais il y a aussi l'exploitation. L'exploitation extérieure, on a des documents britanniques maintenant, des documents vrais qui prouvent que les Anglais, à un moment donné, ont joué le frère musulman. Pas pour leur soutien au frère musulman. Tariq Ramadan, par exemple, qui a été chassé de la France, où il a été maintenant, il a eu des problèmes en France, à un moment donné, il a été conseillé chez Tony Blair à Londres, etc. Les Américains, lors de la guerre d'Afghanistan, ont utilisé les djihadistes. Ce sont eux qui ont réhabilité les djihadistes. Et ce sont eux qui ont soutenu Khomeini contre les Shah. Ce n'est pas un secret. Et donc, il y a cette exploitation. Et c'est ça qui a renforcé ces tendances. Et ces tendances ne sont pas restées sur le plan politique. Ces tendances, maintenant, se sont transformées en haine, parfois, en terrorisme, en tentative de conquérir encore. Et pour cela, il faut avant tout cesser cette exploitation extérieure et faire une véritable coalition internationale pour régler certaines questions. Car parfois, les questions non réglées, comme le sous-développement social, comme la pauvreté, tout ça contribue quand même à attirer des gens vers des thèses plus extrémistes. Le professeur Abou Diab, comme vous venez de dire, c'est vrai, le christianisme, il a fait cette transformation, on peut dire, en grand protestantisme et dire non à l'Église, créer une autre Église plus rationnelle. Et on peut dire que c'était une transformation du protestantisme qui a coulé beaucoup de sang concernant ça. Mais l'islam, comme vous-même vous venez de dire jusqu'à maintenant, n'importe qui a voulu faire du protestantisme islamique, on peut dire, ou une transformation, a été écrasé, condamné, exécuté. Et on n'a pas pu faire cette transformation dans l'islam, qu'il soit chiite, sunnite ou wahhabite, dans l'islam, dans le monde musulman. Alors, sans cette transformation qui n'a pas été encore faite, et alors, est-ce qu'on peut parler de séparation de l'islam de pouvoir politique, surtout que de l'autre côté, ils sont demandeurs de pouvoir, c'est-à-dire ils demandent de changements dans les règles, dans le règlement laïque, comme séparation des piscines, les médecins, de temps en temps beaucoup d'autres choses que vous savez mieux que moi, c'est-à-dire ça gêne la société laïque occidentale. Pourquoi? Puisque cette, comme vous venez de dire, cette transformation, ce protestantisme dans l'islam n'a pas été continué ni commencé, on peut dire. C'est pour ça que même hier, une des critiques assez importantes que la plupart des analystes et ils sont en train de dire, c'est que il y avait le slogan de Allahu Akbar. La plupart des gens, ils disent que nous entendons Allahu Akbar, ça nous fait rappeler Bataclan et d'autres attentats, et qu'ils ont peur même d'écouter ça. C'est-à-dire même jusqu'hier, alors cette séparation n'a pas été prise en compte, surtout que en tout. Dernière question, docteur Abou Diab. En tout, hier, il y a plusieurs millions de musulmans en France, mais il n'y avait que 15 000 personnes parmi les manifestations. Et quelle est votre analyse ces trois choses-là que David vient de vous exposer, cher docteur Abou Diab? Ce
que vous venez de décrire à propos de décrire, vous décrivez bien la situation. C'est-à-dire, il ne faut pas céder ni dans la piscine, ni dans l'école, ni ailleurs. Si la société laïque cède, c'est de mauvaises augures. D'autre part, la présence hier minime, ça signifie que c'est pas majoritaire et que c'est le groupe qui peut être le groupe le plus il n'est pas le plus inquiet, je pense. Il veut aussi montrer ses muscles ou montrer sa présence sans être le plus compréhensible de ces dialogues qui s'imposent. Je pense, comme je dis, je parlais de l'exploitation politique. Par exemple, c'est peut-être chez les Verts, je ne sais pas, mais M. Mélenchon, je crois quand même, on n'a pas besoin de cette récupération. On n'a pas besoin d'autres voix très, très hostiles, ce qui fait, comme on vient de discuter, ce qui fait plus de schisme entre les gens et plus de fossés. Il faut un dialogue utile, mais sous le toit de la loi, avec le respect de la loi, le respect entier de la loi. Je pense que, quand même, dans l'islam, en Europe, on doit avoir d'autres gens et d'autres exemples. Et je pense des gens comme Ghaleb Ben Cheikh, à la tête de la Fondation de l'Islam de France. Il y a des représentations de cette stature qui peuvent faire la différence. Docteur Abou Diab, je suis ravi ce soir, mes chers amis, de recevoir un grand spécialiste universitaire. Docteur Abou Diab, ce soir, est avec nous. Je vous remercie, docteur. Docteur, que pensez-vous à ce sujet qu'il commence avec le voile, réclamer de garder le voile dans les endroits que certaines personnalités de l'autorité française, même le Sénat français, ne l'acceptent pas. Il commence avec le voile et après, peu de temps, une fois qu'on a gagné, c'est presque gagné. Alors, on va aller sur les autres points, comme séparation des piscines, les hôpitaux et d'autres choses. C'est-à-dire, si on relâche une partie, ils vont prendre l'autre partie. Surtout, vous-même, vous le savez, en plus, vous venez de citer plus d'un milliard et demi de musulmans dans le monde, vous êtes au courant, vous le savez, qu'une minorité dans les pays musulmans, ils portent le voile. Une minorité vraiment très très faible. Parce que vous avez, même en Arabie Saoudite, actuellement, les gens, dans certains endroits, ils peuvent aller sans être voilés. Et surtout, la Turquie, que nous avons Ardavan là-bas, ah, c'est un pays que, grâce à Mustafa Kemal Atatürk, le voile a été supprimé à l'époque. Habib Bourguiba en Tunisie, en Algérie, en Liban, que vous le connaissez très très bien, en Syrie, la plupart des pays musulmans, même dans les pays musulmans, question de voile est abandonnée. Une minorité des gens qui portent le voile. Et alors en Occident, en plus vous savez mieux que moi, puisque vous connaissez bien un peu l'islam, que dans l'islam, jamais il ne parle pas de voile. Il parle de djellaba, de couvrir, furu jahannam, mais jamais il ne parle pas de voile, c'est-à-dire même ce n'est pas un truc islamique. Alors, vous ne pensez pas que ça c'est un alibi, un commencement, de commencer avec ça, et tamponner dans la société européenne, et après, une fois que c'est fait, ils vont aller dans d'autres champs de combat pour gagner d'autres batailles, docteur Abou Diab. Oui, c'est-à-dire, je pense que lorsque cette histoire a commencé à créer dans l'Essonne, il y avait à l'époque beaucoup de Val d'Oise, pardon, il y avait d'interrogations sur ces filles
peut-être ces filles portaient ça d'une façon traditionnelle, mais les gens qui supportaient ces filles depuis les années 90, ils voulaient faire de cette histoire de l'islam visible un islam de bataille. Ils voulaient faire ça comme un signe de s'imposer. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est l'histoire de la visibilité. Et c'est vrai, à un moment donné, Bruno Etienne, il disait, si l'Algérie restait française, on a eu la moitié de la France musulmane. Et donc, on doit supporter ce qu'on a des musulmans. Ça, c'est vrai que personne ne dit ne pas accepter ce qu'il a des musulmans. Mais je pense, c'est aux musulmans aussi, de montrer que leur visibilité, ce n'est pas un défi à la communauté nationale ou aux traditions de ces pays. Donc, il y a une possible adaptation, une possible coexistence, mais c'est vrai que lorsqu'on a commencé avec les voiles, lorsqu'on maintenant on exige des choses à la piscine comme à l'hôpital, comme, ça signifie que le problème se pose. Mais le problème doit se poser pour tout le monde. C'est-à-dire, si une religion négocie avec la RATP un calendrier spécial, une autre religion doit négocier un calendrier spécial. Et ça pose un problème d'égalité entre les citoyens. Et donc, ça demande de l'État, que l'État joue le rôle de réglementateur. Et pour cela, il faut s'interroger si la loi 1905 reste valable dans ce cas. Car à l'époque, la loi 1905 a été faite avec simplement la religion catholique, comme pour que l'État règle ses relations. Et donc, il faut une adaptation des lois aussi, il faut une évolution au sein de l'islam lui-même et qu'il cesse l'histoire des signes de bataille. Si l'histoire de la sphère privée, la laïcité permet dans la sphère privée toute la liberté du culte et la liberté même de l'habillement. Mais il faut respecter tout ce qui est sphère publique et laisser le domaine public à cette sorte d'adaptation avec les autres membres de la communauté nationale. Nous sommes avec le docteur Abou Diab. Je le remercie d'accepter mon invitation. On ne va pas vous prendre longtemps, encore quelques minutes, docteur Abou Diab, si vous permettez. Surtout qu'on va entrer dans la question des manifestations en Liban, l'Irak. Je sais très très bien que vous êtes bien informé concernant tout ce qui se passe là-bas. Et si vous permettez, avec une petite, après une petite pause, on va revenir et continuer avec Dr Abou Diab. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur Internet, icietmaintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20. David Abassi, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abassi est l'inventeur de l'expression « islam politique » et « islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio télévisées en 4 langues. David Abassi a reçu sur l'antenne d'Ici et Maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur france-opinion.info. France-opinion.info. Alors, parmi mes invités, une grande personnalité, une fierté pour les médias français, Dr Abou Diab, qui est avec nous ce soir, mes chers amis. Je le remercie beaucoup d'accepter mon invitation. Alors, docteur Abou Diab,
Les manifestations en Irak, au Liban, s'est aggravée. Alors, où sommes-nous à ce jour-là, puisqu'on n'entendait pas beaucoup de des informations concernant l'Irak et le Liban et les manifestations ici en France? Déjà, pourquoi on n'entend pas beaucoup? Et deuxièmement, alors, quelle est votre dernière information concernant ces deux pays-là, s'il vous plaît? Écoutez, cette troisième vague de ces contestations arabes, si on peut dire, la première vague a été 2010-2013 à partir de la Tunisie, Libye, Égypte, Yémen, Bahreïn, Syrie, etc. Et maintenant, il y avait une deuxième vague à partir de décembre 2018, avec l'Algérie, le Soudan, donc, et maintenant on a la troisième vague avec le Liban et l'Irak et l'Algérie toujours. Mais pour l'Irak et le Liban, l'Irak ça a commencé le 1er octobre et le Liban le 17 octobre. En Irak, depuis 2017, on a eu beaucoup de manifestations, mais cette fois, c'est un peu plus à cause du manque cruel de l'État, de la corruption énorme. Imaginez, après 2003 jusqu'à maintenant, presque 500 milliards de dollars se sont évaporés en Irak. Et il n'y a pas de services publics comme il faut. Il y a du chômage énorme. Un pays qui aurait pu être riche, il y a l'argent public est dilapidé. Et pour cela, même au sein de la communauté chiite qui a le pouvoir réellement, la contestation est énorme. Et une partie de cette contestation va contre l'Iran, contre le régime iranien, comme tuteur de la situation en Irak et comme la force dominante en Irak. Et au Liban, depuis 2000, il y avait ce qu'on appelait la révolution de WhatsApp, c'est à cause de problèmes d'une taxe sur les communications à travers ces réseaux sociaux, mais c'est plus ou moins la même raison que les cas irakiens. La corruption énorme, la situation économique et sociale qui frôle même un scénario crack, un scénario de faillite. Et pour cela, et dans les deux cas, il y a l'élimination de partis pro-iraniens, de partis dirigés. À un moment donné, l'Iran parlait d'un axe fort et de la domination des quatre capitales arabes, Bagdad, comme Beyrouth, comme Damas, comme Sanaa. Et donc, les États-Unis trouvent ces manifestations comme aussi un moment de limiter l'impact régional de l'Iran et de limiter et de faire une sorte de bras de fer à travers les contestations de ces pays. Donc il y a à 80% les facteurs internes, à 20% il y a ces facteurs extérieurs qui comptent. Alors, docteur Abou Diab, il y a deux grandes forces chiites au Liban, Hassan Nasrallah, Hezbollah, et Nabih Berri, Amal, Afwaj al-Mouawma al-Libnaniya. Ces deux-là sont avec l'Iran depuis, et ça fait presque 40 ans que aussi Monsieur Nabih Berri, il prend le Parlement libanais. Après, il y en a de petits mouvements qu'on ne le voit pas, mais il existe, et Jihad islami ou je ne sais pas quoi, s'ils sont là-bas ou en Palestine ou je ne sais pas où. Est-ce que, à part, puisque vous avez précisé qu'il y a des mouvements chiites aussi dans toutes ces contestations récentes, alors sauf ces deux dirigeants et deux mouvements, est-ce qu'il y a d'autres mouvements et dirigeants chiites contre l'Iran, comme en Irak, par exemple, que nous avons Muqtada Sadr? On le considère en opposition, mais récemment il était en Iran,
à côté de Monsieur Khamenei. Ça, j'ai pas bien compris. Alors, Liban, est-ce qu'il y a troisième force d'opposition chiite contre les deux autres? De l'entité libanaise, cette contestation a été transnationale, transcommunautaire, transrégionale. Et même dans la communauté chiite, à Baalbek, à Tyr, à Nabatiyé, dans la banlieue de Beyrouth, il y avait de la contestation. On n'a pas un parti politique à la hauteur de Hezbollah ou à la terre de Mouvement Amal, mais on a les anciens de la gauche libanaise, les partis communistes libanais, qui est bien implanté dans cette communauté, mais il y avait beaucoup de leaders aussi de cette société civile, de ces ONG parmi les chiites. Et donc, on voit bien quand même, lorsqu'on voit les manifs et les slogans et tout ça, donc Nasrallah et Berri sont visés comme les autres. Donc il n'y a pas d'exception, et ça c'est un fait nouveau, et pour cela, ça fait un mois que Nasrallah a consacré 4 discours pour traiter cette contestation. Ça signifie, en Irak, Soleimani, le chef de Pastaran, le chef de bataillon Al-Quds, donne des instructions pour mater les manifs, pour réprimer les gens. Au Liban, c'est plus compliqué. Nasrallah tente de convaincre Hariri de rester à la tête du pouvoir pour contenir les manifestations et la contestation. Et pour cela, on a vraiment un nouveau fait politique au Liban ces jours-ci. C'est-à-dire, vous venez de citer le général iranien en Irak, c'est-à-dire, docteur Abou Diab, carrément, franchement, c'est l'Iran qui gouverne en Irak, c'est-à-dire pas le premier ministre, pas le président, pas l'armée, c'est le général iranien qui gouverne en Irak, c'est lui qui donne des ordres, même à toutes les forces irakiennes. C'est la réalité qu'en Irak, rien ne s'est fait sans l'Iran. En 2010, Ayad Alawi a gagné les élections. L'Iran a refusé, il a imposé Nouri Maliki, et on a eu malheureusement Daesh, on a eu l'État islamique en 2014 à partir de l'Irak, à cause de la mauvaise gestion en Irak. La faute aux Américains, car il y avait à un moment donné un équilibre américain-iranien en Irak, mais à partir de 2011, après le retrait américain, les choses ont changé. La domination iranienne est imposante, et donc M. Adel Abdel Mahdi, l'autre jour, il voulait démissionner. Qasem Soleimani l'a interdit de démissionner. Muqtada Sadr a été convoqué à Téhéran. Même malgré toutes les réserves, l'autorité chiite supérieure en Irak travaille avec la coordination de l'Iran, Ayatollah Sistani. Et pour cela, en Irak, l'Iran considère l'Irak comme un prolongement de l'Iran. Et pour cela, le régime iranien met tout son poids pour réprimer cette contestation en Irak. Docteur Abou Diab, pourquoi, à votre avis, comme vous venez de dire, c'est l'Iran qui gouverne, comme vous avez cité tout à l'heure aussi Velayat-e Faqih, c'est M. Ali Khamenei ou Ali Faqih, c'est le patron des chiites, soi-disant, qui gouverne. Mais pourquoi, au lieu de dire c'est Ali Khamenei, guide spirituel iranien, qui ordonne à tout l'Iran, et même tous les gens comme le général Qasem Soleimani, à votre avis, pourquoi au lieu de citer le nom d'Ali Khamenei, toujours on cite le nom de ce général-là, qui a collaboré avec les Américains, avec l'Occident, de Tchétchénie jusqu'à Yougoslavie, jusqu'à Taliban en Afghanistan. Il était côte à côte avec les Américains, même avant-hier, pour exterminer les Daesh, général Qasem Soleimani, il était avec les Américains. C'est lui qui ordonnait quel endroit doit être frappé par le
force alliance occidentale. Alors, mais au lieu de dire que c'est Ali Khamenei, puisque c'est lui le guide spirituel des chiites, et tout Hassan Nasrallah, le président, le premier ministre irakien, même Bachar Assad, au lieu de citer le nom d'Ali Khamenei, est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir? Au lieu de parler d'Ali Khamenei, on dit Qassem Soleimani. Non, car en fait, c'est l'exécuteur. C'est le bras armé de Khamenei, c'est lui qui œuvre dans toute la zone, du Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen, même en Afghanistan, comme vous avez dit. C'est quelqu'un donc qui a la confiance des guides. Et je suppose quand même, maintenant, il est l'homme le plus fort. Il est plus fort que Rouhani. Pratiquement, il a plus de pouvoir que Rouhani. Rouhani, il négocie avec l'Occident et M. Zarif fait le beau sourire. Mais c'est Soleimani qui compte, car c'est lui qui applique les instructions du guide à travers la zone. C'est-à-dire, alors, il y a une interdiction, une ligne rouge que le média dans le monde ne veut pas le franchir. Frapper, critiquer, parler d'Ali Khamenei, en disant Qassem Soleimani, parce que son patron, c'est lui. Surtout, récemment, sans aucun doute, vous avez entendu, docteur Abou Diab, mon cher ami, que le patron de Mossad, d'Israël, le service secret, il a officiellement annoncé que nous ne n'avons pas de problème avec Qassem Soleimani, puisque il y avait beaucoup de tentatives pour l'assassinat de Qassem Soleimani. Il a dit, c'est pas nous qu'on va le tuer, puisque si on va tuer quelqu'un, on le tue, mais c'est pas nous, on n'a pas de problème avec Qassem Soleimani. C'est-à-dire, d'un côté, alors de l'autre côté, sans aucun doute, depuis Tchétchénie jusqu'à maintenant, même David Strauss, l'ancien patron de CIA, il a dit, plus d'autres personnalités militaires de l'OTAN, de l'Occident, ils ont dit, qu'ils ont collaboré avec Qassem Soleimani contre les mouvements terroristes islamistes en Tchétchénie, jusqu'à Yougoslavie, jusqu'à l'Afghanistan, et même récemment jusqu'à Liban et Syrie, c'est-à-dire l'histoire de Daesh. Alors, c'est-à-dire, il y a une sorte d'idée d'agrandir, de créer un héros, iranien, un Rambo, parce que je ne sais pas si vous savez ou non, docteur Abou Diab, les Américains, ils ont fait plusieurs jeux télévisés, Battlefield nommé, Battlefield 1, 2, 3, il y en a Battlefield 4, qu'ils ont dépensé plusieurs millions de dollars pour. C'est un jeu, en même temps, c'est un film, on peut le regarder, c'est un film, comme Rambo, comme je ne sais pas quoi. Là-dedans, le héros, le champion, c'est Qassem Soleimani. C'est-à-dire, Soleimani, et il va libérer Soleimani, qu'il a libéré réellement après des années. Mais ce film-là, c'était fait il y a déjà des années, 7 à 8 ans, ils ont fait ce film-là. Alors, c'est-à-dire, déjà, on n'a pas le droit de parler d'Ali Khamenei, puisqu'il est le guide, ils ont peur, les médias. Deuxièmement, on est en train de créer un Rambo, un héros, surtout comme on vient de dire, tout le monde a dit ça, et c'est lui qui gouverne dans 3, 4, 5 pays, oui? Oui, écoutez, mon ami, c'est vrai qu'on donne la petite poids à lui, mais c'est vrai que tout se passe sous la houlette. Ça affaiblit votre son. Je ne vous entends pas, docteur. C'est lui, selon la théorie de Walid Faqih, il est donc le vice-imam caché sur Terre. Et donc, lui, il va préparer le retour de ses messies sur Terre. Donc, voilà, c'est ça. Et pour cela, on pense qu'il a un bras droit. Parmi ses bras droits, le plus puissant maintenant dans la zone, il a un visage, il a un nom, c'est le général Soleimani. Mon cher ami docteur Abou Diab, je vous remercie beaucoup de consacrer une heure avec nous. J'espère que nous aurons l'occasion de vous avoir encore avec nous sur cette antenne.
Avec tous mes remerciements, votre intervention, c'était très riche, comme d'habitude. On a appris des choses, comme d'habitude, voilà. Je vous remercie beaucoup, mon cher docteur Merci Aboudia. et bonne nuit, cher ami. Bonne nuit. Merci, Alain. Bonne nuit. Au revoir. Voilà, ça, c'était docteur Aboudia, un grand spécialiste. Vous le voyez de temps en temps sur plusieurs chaînes de télévision. Un spécialiste qui connaît bien question de l'islam, l'islam politique, Proche-Orient, etc., etc. Professeur à l'université, un grand consultant géostratégique. Voilà, vous écoutez votre radio sur 95 Do FM, mes chers amis. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, j'arrête quand je veux. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, j'arrête quand je veux. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95.